vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo qui est un tag que j'ai visionné sur la chaîne de la trentaine en beauté et qui s'intitule J'adore et je déteste. C'est un tag qui est basé sur 14 questions. Première question, la matière scolaire que j'adore et que je déteste. Donc la matière que j'adorais lorsque j'étais en cours, puisque je n'y suis plus, hein, était le français. J'aimais aussi le dessin, les langues aussi, anglais, allemand. Et la matière que je détestais, c'était les maths. Les maths et l'histoire. Les maths parce que j'y comprenais rien du tout. J'avais pas la même logique que maintenant. Je dis pas que je comprends mieux, mais je comprends un tout petit peu mieux. Voilà. Ensuite, question 2, la musique que je préfère ou que je déteste. J'aime bien le R&B, le pop, j'aime bien en fait toutes sortes de musiques. J'aime bien quand ça bouge, je suis pas difficile. Ce que je n'écoute pas, c'est le raï et le rap. Question 3, la nourriture que j'adore, que je déteste. J'adore la cuisine chinoise. J'adore la cuisine antillaise, j'adore la cuisine arabe. Voilà, j'aime bien les cuisines étrangères, mais j'ai une petite faiblesse pour la cuisine chinoise. Alors, je déteste, je n'ai pas une cuisine à proprement parler. Non, je ne vais pas détester une cuisine. Ce sont plutôt des aliments, comme l'avocat, le café, les endives cuites. Question 4. Le quoi ? Le réseau social que j'adore, que je déteste. Facebook, Instagram, Pinterest. Ce sont les trois réseaux sociaux où je vais régulièrement. Et celui que je déteste, enfin détester c'est un bien grand mot, où je ne m'attarde pas parce que je trouve qu'il n'est pas ergonomique. Peut-être que je ne prends pas le temps non plus de me pencher dessus, mais c'est Twitter. J'ai un compte Twitter, mais j'y vais jamais. Question 5, le youtubeur que j'adore, que je déteste, Kazenestat. Alors lui, c'est un... Je dirais pas que c'est comme un Graal, mais lui, il est démentiel. Il fait principalement des vlogs, il fait voyager, c'est un Américain. Il va représenter sa vie, en fait, à travers les vlogs. Il est très naturel, il se cache de rien, il est beaucoup aimé, il est copié aussi. Ses vidéos sont d'une qualité, il a sa propre marque, il met sa patte. On sait que lorsqu'on visionne une de ses vidéos, on sait que c'est du Kazenestat. Chaque chose est organisée, cadencée. Je pense que lorsqu'il fait ses vidéos au montage, il doit importer sa musique avant. Parce que tout est séquencé, tout est cadencé. Le tempo va bien avec le mouvement, les gestes qu'il fait. Vraiment bravo, un grand bonhomme. J'aime beaucoup Lexi Blush, The French Way, Christine Kobzeff. Et un youtubeur que je déteste, bah écoutez, j'en ai pas. Si j'aime pas, je regarde pas. Voilà. Question 6. Le pays que j'adore, que je déteste. Le pays que j'adore, c'est les États-Unis. J'aime, et je redis, j'ai dû, je sais pas combien de fois j'ai dû en parler, la Floride. Je rêve de visiter la Floride, New York, les États-Unis. Ça, c'est mon grand rêve. Le pays que je ne souhaiterais pas visiter, enfin que je déteste, je n'ai pas de... pays que je déteste, ça sera plutôt des pays qui sont en conflit. Ça n'a pas envie d'aller voyager dans des pays qui sont constamment en conflit. Donc voilà, mais je n'ai pas, ceci dit, un à vous citer en particulier. Voilà, je déteste aucun pays. Question 7, la console de jeu que j'adore et que je déteste. Ça fait plusieurs mois, peut-être plusieurs années, bon, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas joué à la console. La dernière fois, je crois que j'ai dû jouer sur PC, aux Sims. Console, nous avons la Xbox 360, la PS3, la Nintendo DS, j'allais dire DS3, mais non. Ensuite, la question 8, qui a un rapport avec la question précédente, qui est le jeu que tu adores le plus et que tu détestes. Alors, le jeu sur PC... un que j'ai découvert il y a peu, qui est assez rigolo, c'est Slicer Yo. Alors je ne sais pas si j'arrive bien à le prononcer. C'est slither.io.
C'est en fait un espèce de ver de terre qui est avec des copains à droite et à gauche, enfin je veux dire plutôt des ennemis, parce qu'en fait c'est chacun pour soi dans ce jeu-là. Vous devez en fait avaler des petites boules illuminées pour pouvoir grandir, parce que vous démarrez tout petit au départ, et vous retrouvez comme un immense ver de terre si vous y arrivez, sans vous faire dévorer par les autres. C'est surrigolo, surrigolo. Sur PC, j'aime les Sims. Alors, je suis plus dans le jeu de la construction, les maisons à construire, à redécorer, plutôt que jouer avec les personnages. Je l'ai fait au début. Après, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas joué, que j'ai pas joué dessus. Donc, bon, je suis pas mal occupée aussi. Sur la Xbox 360, je jouais beaucoup aux jeux d'aventure où on jouait avec la Kinect. La Kinect qui est connectée à votre console. J'aime aussi les jeux Facebook. Sur Facebook, j'ai un compte qui me sert juste pour jouer de temps en temps, c'est pas souvent, aux jeux solitaires, au Scrabble, à Mahjong, tous ces petits jeux-là. Et les jeux que je déteste, c'est les jeux de violence. Ensuite, question 9, la vidéo que tu adores, que tu détestes. Dans toutes les vidéos que j'ai postées, celle où j'attache une petite attention particulière et qui, pour moi, qui a une valeur sentimentale, c'est la vidéo Time que j'ai tournée avec ma maman. C'est une vidéo que je regarde de temps en temps parce que j'aime bien, je la vois bouger. Ma maman habite à 500 km de chez moi, elle habite Bordeaux. J'aime de temps en temps la regarder, voir cette complicité. C'est ma mamounette. C'est ma mamounette. C'est ma mamounette à moi. Une vidéo que je déteste, c'est pas que je déteste, mais dans les premières vidéos que j'ai éditées, je n'avais pas d'éclairage, je bafouillais tout le temps, je coupais pas. Voilà, c'est plus ces vidéos-là. Ensuite, question 10, le film que tu adores, que tu détestes. Alors, j'en ai plusieurs que j'adore. J'aime beaucoup les comédies, j'aime aussi les films d'action, d'aventure, suspense. En comédie, j'aime L'Arnaqueur qui est joué par Vanessa Paradis, je trouve qu'elle joue bien. Attrape-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. C'est un film que j'aime beaucoup. La Folie des Grandeurs, qui est un vieux film joué avec Louis de Funès et Yvon Montand. Ça, c'est un classique dont je ne me lasse pas de revoir. Toute la saga des Bronzés. Si vous voulez passer une bonne soirée, regardez les Bronzés. Usual Suspect, ça, c'est un film. C'est bourré de suspense, mais jusqu'au bout. Et je trouve que c'est un super bon film. Tout pour plaire avec. Mathilde Seigner, Anne Parillaud, Seven aussi qui est un grand film, Intouchable aussi, une comédie avec François Cluzet et Omar Sy, La Ligne verte qui est un très 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 beau film, il y en a plein d'autres. Hein. Et les films que je déteste, je sais que j'ai pas accroché sur les Jurassiques, bon ça date aussi, hein. J'ai pas accroché sur ces films-là. Dans ma jeunesse, je regardais beaucoup les films d'horreur. C'est pas des films que je vais regarder aujourd'hui. Je préfère me lézarder dans mon canapé en regardant un bon film, soit d'action, aventure ou une comédie, plutôt qu'un film d'horreur. Pourtant, j'en ai vu, mais voilà. 11e question. La série que tu adores, que tu détestes. Desperate Housewives, Dexter. Drop Dead Diva, Devious Maids, ce sont des séries que j'aime beaucoup. C'est rigolo. Six Feet Under, avec Michael C. Hall, celui qui joue dans Dexter. Et que je déteste, un vieux truc, une vieille série, Texas Rangers. Alors, ouais. Chaque fois que j'entendais le générique, je changeais la chaîne. Et une série, c'est pas l'histoire en elle qui va me perturber. En fait, ça va être le rôle que va jouer un inspecteur qui s'appelle Horatio, un rouquin, qui sur chaque scène de crime s'agenouille devant la victime, devant la morte, enfin le mort, et qui va prendre une posture très expressive, très pensif. Il est complètement détendu devant le cadavre. Il n'a pas un air grave, il en fait trop. Ensuite, la saison que tu adores, que tu détestes. La saison que j'adore, le printemps, sans hésitation, avec aussi l'été.
Mais le printemps, pour ses couleurs, la verdure, c'est bien éclatant, les bourgeons qui s'ouvrent, les fleurs, et celle que je déteste, ben l'hiver. L'hiver parce qu'il fait froid, parce que voilà. Question 13, le sport que tu adores, que tu détestes. J'aime beaucoup le patinage artistique. Je trouve que c'est beau, c'est artistique, hein. J'aime le sport automobile, j'aime bien regarder un bon match de rugby. J'aime bien la natation et le sport que je déteste, c'est le tennis. Ensuite, question 14, l'animal que tu adores et que tu détestes. L'animal que j'adore, j'aime beaucoup la poule parce que je trouve qu'elle est rigolote. J'ai déjà eu des poules, c'est rigolo. C'est con une poule, mais moi j'aime bien, c'est rigolo. J'aime bien le cheval qui est majestueux, qui est énigmatique, indépendant. Un cheval, c'est magnifique. Que je n'aime pas, bah écoutez, je sais pas moi, un rat, un crocodile. Voilà, un rat, c'est répugnant, c'est. Voilà. Donc j'ai terminé avec ce tag, j'espère qu'il vous a plu. Je tag toutes celles et ceux qui ont envie de le faire. Je vais pas citer de nom. Amusez-vous à le faire, postez-moi votre vidéo et puis ça me ferait plaisir d'aller la voir. Donc je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien.